À Saint-Pétersbourg, toujours, les produits algériens ont le vent en poupe. Le stand algérien au niveau de l'exposition internationale russo-africaine organisée en marge des travaux du sommet suscite un grand intérêt auprès des opérateurs économiques russes et africains. Ces derniers ont d'ailleurs affiché leur volonté d'établir des partenariats commerciaux avec leurs homologues algériens dans différents secteurs. Cette exposition a enregistré, rappelons-le, la participation de pas moins de 3 000 délégués venus d'une soixantaine de pays différents. Le Mali et l'Algérie sont tous les deux des pays situés au bord du Grand Sahara. Donc nous avons des similitudes climatiques, géographiques, même sociologiques extrêmement importantes. Et c'est pour cela que les coopérations dans le domaine de l'agriculture doivent se développer pour mettre en valeur les immenses ressources et les immenses potentialités agricoles qui recèlent les déserts.